Salut les barbus, j'ai besoin de reproduire un chambranle pour un chantier, donc je vous partage ça, je vais vous montrer comment on reproduit une moulure en bois. Donc j'ai coupé un bout dans l'ancienne moulure, je viens tracer sa contreforme sur un fer à toupie, et ensuite je viens le découper à la disqueuse et le meuler pour l'affûter. Je le finis à la pierre pour avoir un beau coupant. Ensuite, je le mets dans l'arbre à toupie et ça va venir frapper le chêne à 8000 tours minute environ et ça va ainsi recréer la forme du fer sur le bois. Donc un premier passage à mi-épaisseur pour pas enlever trop de matière d'un coup et ensuite un second passage à la profondeur finale. Ouf ! Et voilà, ça c'est du travail de barbu. Et si vous voulez voir la version longue, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao, à plus les barbus.